Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Bonjour Rafi. Bonjour Bénédicte. Tiens, j'aimerais bien écouter un peu de musique aujourd'hui. Est-ce que tu peux me mettre un groupe ou un chanteur qui fait parler un peu de lui ces temps-ci? Ah mais je connais ce son. Qu'est-ce que c'est? C'est Pearl Jam, un groupe de rock américain, originaire de Seattle. Alors désolé Euphie, mais j'ai l'impression que t'es plus trop à la page là. C'est vieux ça comme groupe. Oui, en effet. Il a été formé en 1990. Mais les 8 et 10 août, Pearl Jam sera en concert à Seattle justement. D'accord, mais qu'est-ce que ça a d'exceptionnel? Ces concerts sont appelés Home Show. Ils ont pour but de lutter contre la crise croissante des sans-abri dans la ville. Et ils vont reverser les recettes du concert à une association? Oui, les membres du groupe ont même dit que l'argent récolté irait à plusieurs structures. Ils ont aussi créé une collecte de fonds. Et pour l'instant, ils ont récolté plus de 11 millions de dollars. Bah dis donc, c'est déjà beaucoup. Est-ce que leur exemple a donné lieu à d'autres initiatives dans le genre? Oui, 80 restaurants reverseront une partie de leurs recettes à la collecte. Des bières, des menus ont été créés spécialement. Et des entreprises offrent aussi des réductions sur certains produits pour l'occasion. Donc une bonne partie de la ville s'est impliquée là-dedans. Mais Euphie, est-ce que deux concerts peuvent vraiment régler le problème? Non, mais c'est une implication au long cours. Pearl Jam a prévu une newsletter et une journée de bénévolat pour montrer les gestes qu'on peut faire pour aider les sans-abri. Ah d'accord, bah, c'est vraiment une super initiative, tout en musique en plus. Bah, je vais aller voir tout ça sur leur site. Merci Euphie, et à demain. À bientôt sur le HuffPost.